transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, a, dans l'action, décidé de faire des opérations à Kindia hier et aujourd'hui. Donc en venant hier à Kindia, c'était pour lier l'acte à la parole, donner du sens à l'action de gouvernance. Vous vous souviendrez qu'en début d'année, il a dit qu'il y aura beaucoup plus d'actions de terrain. Et c'est dans ce sens que sa visite aujourd'hui dans la région de Kindia se situe. Hier, il a communé avec la population de Kindia, a effectué la prière à la mosquée de Kindia. Et aujourd'hui, a participé à l'assainissement de la région de Kindia. Et en marge de cela, a effectué une visite terrain pour s'enquérir de l'état d'avancée de quelques instructions qu'il a données pour voir les réalités terrain et toucher effectivement du doigt ce qui se passe. Vraiment, c'est extraordinaire. On est dépassé de joie. On ne s'attendait pas à ça. Mais vraiment, c'est idéal. Il a effectué une visite terrain aujourd'hui pour voir les sites d'implantation de l'hôpital régional de Kindia, également le centre des ETKP, aussi le centre de formation de l'administration territoriale, mais également l'ERAM. Donc pour voir clairement les instructions qu'ils donnent à partir de Conakry, est-ce que c'est bien répercuté, et voir le niveau d'avancée des travaux qui doivent démarrer ou qui ont déjà démarré.